deux personnages dont les noms vous seront peut-être familiers, Uther Pendragon, devenu roi, et ainsi que son fidèle conseiller Ulfin. La magnifique Igerne, femme du duc de Tintagel. Igerne, Tintagel. Merlin est un messager. Antor est sa femme. Vous avez remarqué que c'était Ulfin qui faisait Antor aussi. Hein, il est en recul devant rien. Ce petit instrument me permettra de changer les tableaux. Commençons. À Carduel, Uther Pendragon croise Igerne, femme du duc de Tintagel. Il entend « Fou amoureux !» C'est un miracle ! Je rêve ! Je veux posséder cette beauté ! Ravagé par la passion, il se confie à Ulfin, son fidèle conseiller. Toi, Seigneur ! Va voir Igerne ! Dis-lui que je ne peux vivre sans elle ! Ulfin s'entremet auprès d'Igerne. Il s'entremet, mais il est vivement repoussé par Igerne. Ah, que dites-vous ? Non, laissez-moi, je suis fidèle à mon mari. Le roi a invité ses barons lors du banquet. Il fait porter par Ulfin une coupe en or à Igerne. Ulfin amène une coupe en or à Igerne. Le roi vous envoie cette coupe et votre mari vous prie d'accepter d'y boire. Pour l'amour de votre souverain. Excédé, à la fin du banquet, Igerne révèle toutes les assiduités dont elle est l'objet à son mari. Mon ami, cher à mon cœur, on me poursuit. Quel est ce malotru ? Il va payer cette offense sur le champ. Hélas, c'est le roi. Le duc impuissant qui précipite dans la cour, accompagné d'Igerne. Uther est resté au château, méditatif. On met Tintagel en demeure de revenir à Carduel sur le champ. Il m'a offensé. Ulfin revient l'air déconfit. Il refuse de revenir. La guerre est inévitable. Une fois de plus, il faut faire appel à Merlin. Je vous donnerai une nuit avec Igerne, mais jurez-moi sur les reliques de faire ce que je vous demanderai le lendemain matin. Par Dieu, je le jure. La magie de Merlin fera le reste. Transforme-toi, Uther, et deviens Tintagel. Merci Merlin. Durant la nuit, le roi engendre Arthur. Malheureusement, la fameuse loi 49-256 du 7 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse nous attendait de vous en montrer des images. Nous passerons donc directement à la suite. Alors même que le lendemain matin, Tintagel, Uther Pendragon encore sous les traits de Tintagel, quitte la cour d'Igerne, un messager se présente à bruit de battue. Tarde pas à rappeler au roi sa promesse. Je vais le faire. Uther, tu t'es engagé à me remettre l'enfant que tu viens d'engendrer. Dis à Igerne que je viendrai le chercher le jour de sa naissance.
Le roi épouse Igerne, qui, bien entendu, est enceinte. Elle ne peut pas expliquer sa grossesse et accepte de se séparer de l'enfant dès sa naissance. Igerne accouche. Et confie l'enfant Merlin qui confie en tort. Je te confie Arthur. Élève-le comme ton propre fils. Et Antor le confie à sa femme. Tiens, mami, tu allaiteras Arthur en même temps que notre nouveau-né, que, comme il sent, il s'était Besson, frère de sang. J'ai assez donné pour deux. Fin de l'épisode.